Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toi aussi, t'en as marre de jouer à Call of Duty Black Ops 3, d'entendre parler de Call of Duty Black Ops 3, de voir que des vidéos de Black Ops 3, et bah cette vidéo elle est faite pour toi, parce qu'aujourd'hui on va sur MW3. Allez, c'est parti! Donc on est sur MW3, donc j'ai repris ma manette de PS3, j'ai relancé sur la Play. Donc on va essayer de trouver une bonne partie en domination. C'est vrai que pour changer un peu de Black Ops 3, parce que c'était... Enfin ça, quand... Je pense qu'on... Il faut changer un petit peu là, parce que je commence à saturer MW3. Surtout que même le sniper, maintenant je supporte plus, moi qui kiffe le sniper, je supporte plus jouer au sniper sur MW3, parce que je trouve qu'ils ont fait des choix assez chelous. Alors, autant qu'il nous ait retiré l'aide à la visée, je veux dire, je peux comprendre l'aide à la visée. Et encore, c'est limite, mais je peux comprendre. Mais j'ai l'impression qu'ils nous ont baissé déjà les snipers et qu'ils nous baissent la vie à chaque fois. Enfin, je sais pas. Il y a trop d'armes cheatées dans le jeu qui font que jouer au sniper, c'est devenu vraiment très très compliqué et je prends même plus de plaisir à jouer au sniper. Je fais que de m'énerver. Donc, changer un peu de Call of Duty pour pouvoir rejouer au sniper. Sur PS3, ça refait bizarre de rejouer sur PS3, mais voilà, là c'est un peu le kiff de retourner sur MW3 et tout ça. Ça change, ça fait du bien, ça fait plaisir. Alors, je vais essayer de. Faut que je me réhabitue un petit peu. J'ai entendu aussi parler de d'autres choses qui étaient assez étranges là venant de la part de Sony. Ils voudraient faire une nouvelle PS4, là, PS4 4.5 ou PS4K, je sais pas trop. Enfin, une PS4 qui prend le 4K en tout cas. Et je. Enfin, s'ils font ça, je comprends vraiment pas leur choix de faire une PS4 4K. Déjà, j'en vois pas forcément l'intérêt parce que la 4K c'est encore quelque chose d'assez restreint. Ça nous ferait une console à quel prix, ça je vous le demande. Mais ultra cher en tout cas, ça c'est sûr. Une console qui serait vraiment super chère parce que pour faire de la 4K sur une console, il faudrait qu'ils prennent des processeurs beaucoup plus puissants que celui qui est dans la PS4 qui est loin d'être le meilleur processeur qu'on peut faire. Et quand je dis loin, c'est vraiment très 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 loin de ça. On est à des kilomètres là, même peut-être même plus. Et donc, s'ils font franchement une PS4 4K, mais je serais what the fucké, si je peux dire. Dans l'incompréhension totale, en tout cas, je serais dans l'incompréhension de pourquoi faire une PS4 4K qui sera encore plus chère, alors que la PS4, c'est encore une console nouvelle, on va dire. C'est pas une console ancienne comme la PS3 qui est restée 7 ans au moins avant qu'il y ait une nouvelle console, avant qu'il y ait la PS4. Là, ça fait quoi, 3 ans qu'on a la PS4 seulement? Et on n'a pas encore vu toutes ses ressources, toutes ses capacités. Alors pourquoi vouloir faire une nouvelle console? Ça serait bizarre. Ça serait vraiment bizarre. Et pour revenir sur MW3, c'est vrai que j'avais envie de changer parce que je commence à en avoir un peu marre de certaines choses sur le jeu. Alors. Comme par exemple des nouvelles armes qui sortent, qu'on peut avoir que dans les largages. Au final, on paye pour un jeu qui est pas complet. Et surtout que si on les a, on est franchement cheaté. Quand on voit que la MX Garand tue en deux coups, la NX Shadowclaw, un truc comme ça là, en un coup on est mort. Ça m'embête un petit peu, j'avoue. Pourquoi je l'ai raté lui? Et franchement, voilà, là ça fait vraiment du bien de revenir sur MW3, de pouvoir se refaire plaisir avec le MSR qui est franchement un sniper que je kiffe quoi. C'est franchement un sniper super bon le MSR. Et voilà, là je me refais kiffer sur des jeux comme ça rappelle un peu la bonne époque où Call of Duty c'était quand même plus simple que maintenant. On se prenait pas autant la tête, purée, je suis mort. On se prenait pas autant la tête que sur les Call of Duty de maintenant. Et donc je trouve ça. Je trouve que ça fait du bien de rechanger un peu. Et je pense qu'on a perdu des sensations sur Call of qu'on retrouvera plus maintenant. Je m'amuse beaucoup moins sur Call of Duty maintenant qu'avant. C'est-à-dire que maintenant on est vraiment beaucoup plus dans la compétition, je trouve, que dans le jeu. Purée, j'ai cru qu'il était pour ma tronche. J'ai eu peur. Purée, t'étais caché toi, hein? Alors, les amis. En tout cas, ça fait plaisir. Vous êtes maintenant 70 abonnés. C'est juste énorme. On est bientôt à la centaine. Encore une trentaine d'abonnés. Et j'aurai enfin les 100 abonnés. C'est vrai que c'est un petit kiff là.
Alors, du coup, faut que je fasse super gaffe. Je sais qu'il y en a un qui arrive par là. Purée. Je ne sais pas quoi faire. Je vous avoue, là, je suis un peu perturbé. On était en train de mener. Et pas d'un peu. Tu vois, lui, il peut m'avoir là où je suis. Si seulement il y aurait des amis qui voudraient bien venir dans mon viseur, les poteaux. Désolé si je parle pas beaucoup. Oh là là. Bon. On est UB, mais pour combien de temps? Je pense pas que ça va durer. C'est allié ou une mais c'est allié. Ok, génial. On va essayer, hop, de d'être plus intelligent que l'hélicoptère. Ouais, bim dans tes dents. J'ai réussi. Lui, il a de quoi être deg. Moi, je me casse. Hop, voilà. Non, derrière. J'avais pas pensé qu'il pourrait arriver derrière. Un peu le débile ce que j'ai fait. C'est pas grave. Franchement, c'est bon de revenir sur ce cas-là. Alors, j'ai entendu un ennemi avec une insertion tactique là. Enfin, il me semble. J'ai peut-être rêvé. On a mon pote. Et là, voilà, là, le plaisir de jouer au sniper revient. Ça fait du bien. En plus, c'est bien parce qu'en face, ça joue bien. C'est vrai qu'on était un peu habitué à avoir des campeurs sur W3 et des mauvais joueurs. Et là, franchement, nickel. Là, la partie est juste nickel, ça fait plaisir. On peut s'amuser. On peut se mouvoir comme on a envie. C'est génial. Purée, mon pote, t'aurais pas dû me rater, toi. Oh, il m'a fait peur, lui. My god, hey man fuck. Migration de l'autre. Par contre, ça change pas. Ça, c'est toujours là. Il n'y a pas de problème, les amis. Revenez sur le 3, les migrations n'ont pas changé. C'est toujours OK. C'est toujours d'actualité. Alors. Et malgré ce qu'on en dit, même si le 3, c'est franchement un Call of Duty qui est très critiqué, c'est franchement, pour moi, sans hésitation, un des meilleurs. Pour moi. Personnellement, c'est un des meilleurs. Alors. Il est mort? Non, il est pas mort. Là, je vois qu'il commence un peu à. What? Ah, c'est sa flash qui m'a tué. Ah, la bonne blague. Ah, c'est ça. Zou. Voilà. Ça prendra ma tombe. D'accord. J'ai fait prendre la M4 en pensant que c'était mon couteau. Ok, il est là. Si on aurait un autre. Oh non, je l'ai raté juste à côté, je suis deg. Je suis tellement dégoûté. Non, my god, j'allais faire la kill cam. J'allais faire la kill cam. En tout cas, cette partie, franchement, elle était juste géniale. Ça a fait du bien de retourner un peu sur Old Gen, de retourner sur MW3 et tout ça. Ça fait plaisir. En attendant, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, vous pouvez la liker, la partager, la commenter, me mettre, je sais pas, un petit mot gentil. Et bien sûr, vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mon contenu et savoir tout ce que je fais et toutes les vidéos que je sors. Moi, je vous dis à la prochaine et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, bye bye.